Chers amis, merci d'être là. Nous allons partir tous ensemble parce que vous êtes importants, parce que si vous n'écoutez pas, si vous n'entendez pas, on ne pourra pas avancer. Donc c'est tous ensemble que nous allons partir pour une merveilleuse aventure. Et cette aventure, c'est l'alliance de la connaissance et de la science. C'est dit dans le titre. Mais on aura tous les éléments pour aller plus loin et faire en sorte que ce troisième millénaire ne soit pas la suite du XXe siècle, mais soit une aventure magnifique de l'homme à la découverte de lui-même, mais pas seulement de lui-même, bien sûr, de celui qui est à l'origine de lui-même et de l'univers. Alors, je vais parler de la fondation. Elle s'appelle Denis Guichard. Qui était Denis Guichard? Denis Guichard était mon dernier frère. Nous étions une famille de 10 enfants. Et ma mère a eu ce dernier fils à l'âge de 45 ans. Elle a attendu jusqu'à l'extrême limite pour faire un chef-d'œuvre. Est-ce que c'était vraiment un chef-d'œuvre? Non. Mais c'était un garçon extraordinaire qui avait la prescience de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire cette alliance de la connaissance et de la science. Et il se tournait partout, il cherchait, et il a abordé beaucoup, beaucoup de sujets, et à la fin, il disait, au fond, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est la médecine. Et il est mort à 33 ans, rapidement, et on a été tellement choqués, mes frères et moi, qu'on a décidé de créer une fondation en son nom. Et on s'est adressé à la Fondation de France, parce qu'à cette époque-là, il y avait très peu de fondations. On était une des premières fondations, je dirais. Et on a eu une chance extraordinaire, parce qu'on nous a donné, parce qu'on n'avait aucun moyen de connaître qui que ce soit, on nous a donné Jean-Marie Pelt. Et je dois dire que ça a été le premier miracle de cette fondation, c'est d'avoir Jean-Marie Pelt. Parce que Jean-Marie, je n'étais rien, mais Jean-Marie m'a tout appris. Il a été d'une gentillesse, d'une... Comment est-ce qu'on peut dire ? Il a su m'apprendre tout. Et il m'a appris, non pas l'écologie telle qu'on la pratique maintenant, mais l'écologie complète, c'est-à-dire de l'homme complet, c'est-à-dire de l'homme avec pas seulement sa matière, mais ce qui l'anime, avec son âme, avec sa spiritualité. Et Jean-Marie était quelqu'un d'exceptionnel. Vous l'avez sans doute rencontré dans les émissions, enfin, vous l'avez sûrement rencontré. Je ne vais pas m'éterniser sur son caractère, vous le savez, c'était un homme d'un charme fou, d'une simplicité surtout qui était désarmante. Il était le même avec tout le monde, avec les plus grands comme avec les plus petits. Et je me souviens d'un moment avec lui où on rentrait d'un colloque que nous avions organisé dans les Cévennes. Et on s'était arrêté pour conduire quelqu'un à la gare d'Avignon, la gare moderne d'Avignon, avec tout est cimenté, où il n'y a rien qui ne peut passer de la nature. Et je le vois se pencher et cueillir une petite plante et me dire, regardez, Anne, cette perfection. Eh bien, l'homme n'arrivera jamais à ça. Regardez la beauté. Il m'a dit le nom, je ne l'ai pas retenu parce que je ne suis pas calée en plantes. Mais je me souviendrai toujours de cette puissance du regard qui voit la beauté partout, là où elle est, sur les trottoirs, partout. Il était en admiration devant la nature. Et à un moment donné, il m'a dit, Anne, je ne peux plus continuer d'être... J'ai trop de travail, l'écologie devient trop,
trop prenante et je ne peux plus être votre président. Et c'était très douloureux pour moi. Mais je pense que j'avais fait le tour de l'aide à l'écologie que je pouvais faire. Je n'avais pas les moyens. L'écologie était devenue quelque chose d'énorme. C'était pas la toute petite chose, la petite graine qui était là au début. C'était devenu vraiment un enjeu colossal. C'était pas encore ce que c'est devenu maintenant. Quand je vois la COP 21, pour nous, on ne pouvait pas imaginer ça. Mais c'était devenu quelque chose de très, très important. Et donc, je me souviens, c'était à la fête qu'on avait organisée pour Jean-Marie, pour le remercier. Et j'ai fait rencontrer mon ami Emmanuel, qui est là, à mon autre amie Béatrice Milbert, qui est médecin, que vous allez entendre tout à l'heure. Et c'est là où est née non, la nouvelle fondation, c'est-à-dire la fondation qui va plus loin, pas plus loin parce que c'est pas, mais qui va dans un domaine qui est moins cherché. C'est ce domaine de l'alliance de la science, de la médecine, de la spiritualité. Et tous les trois ont représenté ces trois valeurs, ces trois pôles de recherche. Et je dois dire que tout de suite, on s'est parfaitement entendu, on s'est compris et on a organisé quatre colloques qui s'intitulaient Un nouveau regard sur le vivant. Oui, c'était un nouveau regard qu'on essayait de porter sur le vivant. Et vous aurez les livres sur ce que nous avons créé. C'était dans ce lieu d'Eurosite. Et vous pourrez trouver les livres sur le site de la Fondation qui racontent ces recherches. J'ai relu ces livres et je trouve qu'ils sont passionnants. Enfin, vous me direz. Voilà. Alors maintenant, je voudrais parler des découvertes que j'ai faites avec la Fondation. D'abord, j'ai découvert le CRIGENE. Le CRIGENE, c'est une association qui défend l'intégralité du vivant. Ici, il y a Joël Spirou qui vous parlera tout à l'heure, mais j'aimerais nommer aussi Gilles-Éric Séralini, qui a été un ami très profond, que j'ai toujours un ami, et nous avons travaillé ensemble pendant des années. Et je dois saluer le travail du CRIGENE. C'est un travail qui est pas peu connu, qui est pas assez soutenu. Et je suis heureuse que Joël puisse vous en parler tout à l'heure. Et puis j'aimerais parler aussi d'une autre femme, une femme exceptionnelle qui n'est pas du tout connue, qui est une femme qui était partie en Afrique faire des études, elle faisait de l'écologie, elle faisait des recherches, elle a fait des recherches, elle est devenue médecin et elle a découvert la valeur des plantes médicinales africaines et des connaissances africaines. Et elle en a été bouleversée parce que il y a là une connaissance qui n'est pas. Ce n'est pas la recherche de la science occidentale. C'est beaucoup plus que ça. C'est une connaissance globale de la plante. Et je dois dire qu'elle m'a appris aussi beaucoup de choses sur cette nouvelle médecine qui peut se faire avec les plantes et qui est en train de germer. Elle est elle est toute petite encore, mais elle va devenir aussi grande que la COP 21 pour l'écologie. Voilà. Alors maintenant, donc je voudrais donc remercier Emmanuel et Béatrice de m'avoir soutenue pendant une dizaine d'années, pendant ces quatre colloques. Et j'ai fait, grâce à la physique quantique, une découverte exceptionnelle.
que peut-être on va essayer de développer au cours de, à la fin de ce colloque, enfin au cours de ce colloque. C'est grâce, c'est une découverte essentielle. Je vais le lire parce que j'ai peur de déraper, parce que c'est un raisonnement. L'importance de la relation, du lien. Aujourd'hui, on s'intéresse à la chose, on analyse, on découpe, on va de plus en plus profond. Mais en fait, je pense qu'il va falloir tourner vers notre regard vers autre chose. C'est ce qui relie les choses, c'est le lien. Et c'est le pourquoi de notre mise côte à côte du spirituel sous ses deux différents aspects, avec la physique, avec la science la plus avancée, celle qui a détecté au cœur même de la matière cette puissance du lien que l'homme possède en lui aussi. C'est pas seulement la matière, c'est l'homme qui a en lui cette puissance de faire le lien et qui peut se développer jusqu'à quelque chose d'extrême et de grandiose, c'est l'amour. L'amour qui n'est alors plus sentiment, mais puissance et énergie. Alors, j'espère qu'on pourra peut-être aller plus loin, mais en tout cas, je suis très heureuse de l'avoir pu l'évoquer ici maintenant. Et puis, pour finir, j'aimerais vous parler du dessin que j'ai fait. Ce dessin que tout le monde m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux représenter là? Et c'est vrai que l'homme n'a pas encore, enfin l'homme moderne, est, pourtant Dieu sait, ça fait presque 100 ans que l'abstrait a été inventé. Et le langage de l'abstrait, c'est quelque chose de très fort parce que il est dépouillé de l'analytique. C'est un regard complet. Et alors ce dessin, je ne l'ai pas réfléchi, mais pour moi, il représente, je ne sais pas s'il est là, il représente plusieurs choses. En fait, la peinture, c'est un geste aussi. C'est un geste qui ne vient pas de la tête, mais qui vient du cœur de l'être humain. Et donc, ce n'est surtout pas la réflexion qui m'a fait faire cette chose. C'est un geste comme une incarnation. On descend dans la matière. Et la matière se colore à ce moment-là, du bleu, du ciel, du rouge, du sang. Puis du vert, de la verdure, et puis après, vers le rose, vers l'amour. Et donc, c'est toute l'histoire de l'incarnation qui se a traduit dans un seul geste. C'est ça qui est miraculeux. Et puis aussi, ça peut représenter l'atome, la particule de matière la plus petite. Et en fait, cette particule n'est pas fermée sur elle-même, mais elle est ouverte vers l'infini, comment dire, oui, vers l'infini, vers l'inconnu, vers le spirituel. Donc ça représente bien, en fait, la matière telle qu'elle est. Ça peut représenter la création. Enfin, je vous laisse continuer. C'est vous qui trouverez. Merci. Et merci d'être là.